Donc nous allons vous montrer les prix du matériel que l'on achète en Allemagne pour le bricolage. Donc ça vous donne une idée de la liste. Et à côté, vous avez les noms des magasins où nous nous sommes fournis en matière première, enfin en outillage. Et vous pouvez avoir une idée des prix des matières de l'outillage en Allemagne et le comparer par rapport à des magasins français comme Castorama, Bricorama, Leroy Merlin. Et je vais descendre dans la liste. Donc je pose l'appareil photo. Je vais descendre dans la liste. Et vous montrer encore le reste. Qui vous donnera une idée plus précise des prix. Certains travaux ont pu être faits avec cet outillage. Hein. Et bien entendu, on constate que l'Allemagne a des tarifs attractifs pour les bricoleurs. Et dans ma cave, j'ai un atelier et cet atelier est opérationnel grâce à ce matériel qui a été montré sur l'ordinateur et qui me permet maintenant de réaliser des objets ou de réparer aussi du matériel en panne pour un prix d'approximativement 40% moins cher que si je l'avais acheté en France. Il faut savoir que entre la France et l'Allemagne, il y a une différence de 2 à 3% de TVA. Hein. Au cas où il y aurait des problèmes douaniers, ce serait une différence de TVA réglée de 2 à 3%. Mais sachant qu'il y a une différence de prix qui fait à peu près jusqu'à 40% pour certains matériels, hein, par exemple un établi en France vaut 240 euros et le même établi, vous pouvez en acheter en Allemagne pour 49 euros. Donc c'est extrêmement intéressant et même s'il y a des différences au niveau de la douane, vous êtes encore gagnant. De nombreux articles de ce type-là présentent des différences aussi marquantes j'invite les Alsaciens à visiter Ella à Mülheim, en plus de Castorama et Bricorama, Leroy Merlin ou Brico Dépôt, peut-être aussi le Brico Leclerc. Et par exemple, avec Excel, vous pouvez sans problème, avec la même liste, relever les prix de l'outillage dont vous avez besoin et ensuite le comparer entre les magasins et décider vous-même de l'endroit où vous irez pratiquer vos achats de fournitures. Merci à vous.